Salut à tous et à toutes, c'est Légirac. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Crusader Kings 2 avec le tout dernier DLC qui vient de sortir. C'est, si je me trompe pas, Rajesh of India, donc qui nous apporte pas mal de nouveautés. Enfin, voilà quoi, c'est assez gros. Alors après, bon, il y a des, enfin, ça a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que maintenant, on a beaucoup plus de territoires à conquérir. Pour avoir certains empires, trucs comme ça, donc bon, après reste à voir. Mais c'est plutôt pas mal, ça c'est intéressant. Bah écoutez, on va jouer. Alors j'ai joué un petit peu, c'est Rashtra Kutha. C'est intéressant. Ouais, ça peut aller. Il y a pas là aussi que j'ai essayé de mon côté. Eux, ce sont des bouddhistes. Hein. Rashtra Kutha, ce sont des jaïnites. Et nous, bah, on va essayer avec les hindous. Donc on va voir ce que ça donne donc en jouant Pratihara. C'est parti. Oh. Pouf, je suis fatigué ce matin. Enfin, ce matin, il est déjà 11h hein, donc c'est bon hein. Alors, c'est parti. Donc on va voir un petit peu donc qu'est-ce qu'on en est. Donc il y a les systèmes de caste. Donc là, on fait partie de la caste des Kshatriya. Kashtariya, ouais, c'est ça. Qui donc c'est la caste des guerriers et des rois. On est travailleurs, zélés, confiants, concupiscents. On a plus de fertilité parce qu'on fait partie de la blanche, oui, de la branche des Shaktistes. Plutôt, c'est écrit tout petit sur mon écran. C'est pas facile, déjà que c'est non bizarre. Et je suis conciliateur naïf, bah dis donc. Ce personnage aime bien être aimé et veut être un bon diplomate, malheureusement il n'en est rien. Sympa. Et on va faire quoi comme... Ouais, améliorer son savoir, je pense que ça pourrait être pas mal, on va faire ça. Alors, on peut faire des assujettissements, le seul souci c'est qu'il nous faut énormément de... karma. Donc le karma c'est de la piété, pour les jaïnites ça s'appelle de la pureté. Et bah, chose qu'on n'a pas vraiment beaucoup au début, donc il nous en faut 500, on commence, on a 20, donc voilà quoi. C'est pas pour tout de suite les assujettissements, ce sera peut-être pour le futur, ou à la rigueur si on a vraiment un règne exceptionnel d'une pureté complètement hilarante. Ça nous appartient ou... Non, ça nous appartient pas. Nous on a les îles qui sont là, c'est tout. Voilà. Mais écoutez, c'est parti. On peut créer des... Alors oui, on peut créer des... Il y a des empires aussi qui ont été rajoutés, ce qui est plutôt pas mal. Il y a plein d'empires. Voilà, empire de Jure. Donc on a le Rajasthan, on a l'empire de Deccan et l'empire du Bengale. Après il y a la Tartarie ici, empire perse, voilà. Donc ça c'est à peu près ce qui est à côté de chez nous. Le reste on s'en fiche. L'empire de Russie qui s'étale beaucoup plus par rapport à avant. En fait, ça a vraiment laissé place, on va dire, à l'empire de Tartarie. Et bon, après le reste, on s'en fiche un petit peu. Ça ne nous intéresse pas. Ce serait bizarre, n'empêche, de jouer une map où il n'y a que des empires bien formés comme ça. L'empire romain, d'ailleurs, est vraiment très petit. Il passe à la machine à laver. Avant, il était bien plus grand que ça. Mais avec l'histoire de l'empire d'Italie et tout ça, ouais, le jeu a vachement modifié depuis le début. Hein. C'est assez impressionnant. Bref, on n'est pas là pour contempler le jeu. D'ailleurs, ah, on a un. Tout petit peu plus que nécessaire. Ouais, non, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est avoir des Arabes ici. Et eux, par contre, on peut leur déclarer la guerre. Ouais, en guerre sainte. En guerre sainte. Ah, on peut avoir le gros territoire au nord, c'est plutôt pas mal. Oh, moi, ouais. C'est intéressant. Mais non, on va s'intéresser à autre chose. Là, pour l'instant, on a besoin d'un peu plus d'argent. Si on doit avoir des troupes. Et c'est surtout le fait de... On a déjà 50 ans aussi. Et... Ah, on a les lois. Bah, les lois, ce qu'on pourrait passer, c'est... Annulation de titre autorisé, voilà, ça c'est le minimum, je pense. Intrigue, ah oui, donc on a pas mal d'intrigues. Bon, je vais vous lire les plus
plus intéressante, donc qui a organisé le Diwali, donc c'est une festivité traditionnelle de moisson en Inde, où on y célèbre le triomphe de la lumière sur les ténèbres, le bien sur le mal, et de l'espoir sur le désespoir. Choisir une divinité protectrice, donc ça on va machin, on va tester. Organiser une chasse au tigre, donc c'est la chasse, c'est tout simple, hein, donc on va organiser ça aussi, plutôt pas mal. On va envoyer les invitations. Et on va. Après, il y a navire marchand conscrit. Donc, ça, c'est bien. On peut invoquer des navires quand on est en guerre. Et ça, c'est. Alors, le Samrat Chakravartin. Donc, lui, c'est celui qui règne en fait sur les trois empires. Donc, je vais vous lire la description. Un souverain indien qui parvient à imiter Ashoka. Ashoka, ouais, c'est ça. Le grand et unir toutes les provinces de l'Inde sous sa couronne peut revendiquer le titre de Samrat Chakravartin, empereur des empereurs. Ce titre désigne le concept d'un souverain mondial idéal et univers. Univers, je pense que c'est universel. Merci la traduction. Voilà, donc en gros, c'est qu'on arrive à réunir les trois empires. Donc, c'est l'empire du Rajasthan, du Bengale et du Deccan. Mon chat n'arrête pas d'éternuer en fait. Il s'est cogné la truffe contre la vitre comme un débile. Il y avait un oiseau. Et résultat, il n'arrête pas d'éternuer. J'espère que tu vas pas crever. Hein. Voilà. C'est ma vie. Voilà, donc là j'ai cliqué sur choisir une divinité protectrice. Donc voilà. Donc on peut prendre Shiva qui apporte du martial mais moins de diplomatie. On a. Vishnu, donc lui c'est moins de martial, plus de diplomatie. On a Brahma, c'est plus d'intrigue, moins d'intendance. Et d'autres puissantes divinités. Alors Kali, la destructrice déesse du temps, qui donne du martial, moins d'érudition. Ganesh, donc lui c'est l'intrigue, l'érudition. Moins de martial, plus d'intendance. Ah, c'est pas mal ça, moins de martial, plus d'intendance. Je vais prendre ça. Je vais prendre cette divinité protectrice là. Alors le souci, c'est que ça plaît pas à tout le monde non plus. C'est voilà. Ah, la chasse commence. Votre groupe de chasseurs marche dans la jungle. Vous espérez avoir de la chance et tomber sur un tigre à tuer. Soudain, un mouvement dans les fourrés. Et un grand tigre bondit en poussant un rugissement féroce. Il attaque le groupe de chasseurs et frappe un serviteur qu'il réduit en charpie avant de disparaître dans la jungle. Non, je perds du prestige. Voilà. C'est malheureux. Bredouille, ok. Ok, il a tué quelqu'un. Ah, ils ont. Ah non, les seigneurs. Ok, donc apparemment la couronne faible, ça avance. Ah, on a gagné 2 en érudition aussi, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai des baisses de FPS avec ce DLC. Donc, oh mince, ils m'ont déclaré la guerre. C'est l'Empire du Sud là, en rouge. Alors on va mettre en pause parce que. Ah, ils ont accepté l'autorité de la couronne faible, donc ça c'est bien, je vais pouvoir avoir plus de troupes. Oui, j'en ai beaucoup plus. J'ai les doublés quasiment en troupes. Donc on va. Réunir tout ça le plus loin de la frontière possible, parce que voilà, c'est la guerre. La guerre totale, dit Total Krieg! Non, je rigole. On n'y est pas encore avec ces idées de guerre totale, de fascisme. On va pas tout mélanger. C'est du hors-sujet satanique. On va mettre toi et toi. Voilà, ça c'est bien mieux. Lui, on va essayer de l'intercepter le plus rapidement possible. Oh, vite, 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 vite. Ouais! Oula, c'est tendu. Non, c'est bon, on l'a eu. Il retourne chez lui comme un bébé. Voilà, il retourne chez sa maman. Toi, tu vas aller là, je crois. Oui, on l'a eu. Et on le poursuit encore. Voilà, il a plus de troupes. J'ai envie qu'il pleure sa maman. X4. Ah oui, les conseillers, tiens. Bah, je vais m'occuper des conseillers. Je peux encore. Je vais pas toucher aux lois. Tiens, j'aimerais bien. Ah, c'est partage salique. Faudrait que je mette en primogéniture. Et en paix.
Ah, autorité de la couronne absolue ou haute. Ah, c'est pas pour tout de suite, hein. Ah oui, vous voyez les navires, hein, ça permet de faire arriver 20 navires. Mais ça coûte cher, donc j'ai pas trop envie de dépenser mon argent pour ça. Loi, on va pas toucher. Oui, c'était les conseillers, moi, qui m'intéressaient. Donc, toi... Ah, 18, c'est pas mal, toi. Donc, toi, tu allais me voler les technologies un tout petit peu plus loin. Voilà, ici, par exemple. Toi, tu vas me faire des technologies culturelles ici. Toi, tu vas faire des technologies économiques. Et toi, tu vas améliorer leur relation avec... tiens, lui, là, c'est très bien. Je crois qu'il m'aime pas trop. Ouais, c'est il est un peu plus gris que les autres, donc on va faire ça. Voilà. Et on va... trop de possessions. Je possède quoi, en fait? Ouais. Bon, on réglera ça un tout petit peu plus tard, parce que là pour l'instant on s'occupe de la guerre. Et... verra la suite plus tard. Ah, ah bah c'est bien, il a réussi à... Bien, on contrôle un de ces territoires, on va en profiter pour attaquer encore ces armes. Toi, tu vas aller aux oubliettes. Ah, une victoire. Ah, il y a des factions qui commencent aussi, ouais, comme si ça suffisait pas. Ah, on a piqué des technologies aussi. Ah, et on est à 100%. Alors, on va, hop, offrir la paix, envoyer. Parfait, on a gagné, ce qui me fait pas mal de prestige pour le début. Et je crois qu'on a eu des sous aussi. Et on va baisser nos troupes. Voilà. Voilà, c'est parti. Alors, les factions, elles veulent quoi? Indépendance, j'en suis sûr. Toi, t'es qui, toi? Oh mince, c'est pas lui. Oh, ça me saoule. Satané faction. C'est pas grave, on a de les sous. Donc, c'est l'essentiel. Toi, tu vas aller. Alors, qui m'aime pas trop? Peut-être on va pouvoir aller. Là, tiens. Eux aussi, ils m'aiment pas trop. Bon, c'est pas grave. Ah, les nomades. Mégère. En gris, ça m'intéresse pas trop. C'est un petit peu loin de chez moi, je m'en fiche complètement. La Horde d'or, j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Par contre, maintenant qu'il y a l'Inde, beaucoup plus intéressant. Alors là, il y a la caserie qui s'est étendue. Voilà, donc ça, c'est les Juifs. Je vais faire une série sur ça aussi en parallèle. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ce que j'avais pas fait et faut que je la fasse absolument. Donc j'arrive à maîtriser correctement ça. Concupiscent. Soit je trouve la mort. Oula, truc de Kamasutra bizarre. Oh non, on fera pas chanter. Voilà, paf, dit total Krieg. Je gagne 7. On va pouvoir prendre un peu de troupes. Non, on va garder nos troupes. On va les garder. Oh, tout le monde va aller là. Bon, ils nous ont intercepté un petit peu, mais c'est pas grandiose. Non, ils sont légèrement plus. S'ils s'unissent, ça risque de pas trop le faire. Pff,
Non, on n'est pas assez. Faut que je prenne des mercenaires, on n'a pas le choix. Quelque chose qui coûte pas trop cher, voilà, ça par exemple, c'est pas. C'est juste pour faire la différence de façon assez. Non, ils sont trop. Ouais, ils sont trop. Alors, c'est vraiment just, hein. Je sais pas si ça va passer. Maintenant, il faut juste espérer, mais c'est tout, quoi. Alors, stop. Tu vas aller. Non, stop. Là. Voilà. Allez, on tente. Ils ont un léger avantage. Oui, c'est bon, on les a eus. C'est vraiment de justesse. Là, on a un avantage assez conséquent en termes de morale. Si on arrive à leur éliminer leurs troupes, on sera tranquille pendant un bon petit moment. Oula, non, il y a encore ici. Zut. Voilà, moi je vais tout éliminer leurs troupes ici. On réglera le problème là-bas plus tard. Oui. C'est plutôt bon. C'est bon, ils ont plus de morale du tout. Voilà, ça se passe plutôt bien. Mon petite guerre de révolte, mais on va faire avec. Montée du schisme. S'en fiche, ça ne nous concerne pas trop pour l'instant. Peut-être dans le futur, pas tout de suite. Mince, ils ont sauté une cage, je sais pas comment ils ont fait, ils sont très doués. Ils ont le pouvoir de téléportation hindou, puissance 5. On va rester là, on va taper ça. Faudrait que je mette le. Non, je vais pas le faire. Pas pour cette série. Je pensais mettre, vous savez, le mode qui permet d'avoir une meilleure interface. Technologie culturelle, ouais, j'approuve. De nouvelles décisions sont disponibles à la recherche d'un gourou. Ouais, je suis parti à la recherche d'un gourou, même si je suis un peu vieux, c'est pas grave. Et le reste ne m'intéresse pas. Encore d'autres factions, diminuer l'autorité de la couronne. Ouais, allez se faire voir. Mettre fin au complot, envoyer. Victoire, toi tu dégages. Ah oui, un enfant n'a pas de tuteur. Il va falloir qu'on s'y mette. Qu'on s'y attelle. Non, pas de fiançailles, pas tout de suite. Éduquer enfant. Je veux qu'il soit avec quelqu'un qui soit très doué en intendance. Ah, toi t'as de bonnes stats. Ouais, on va prendre toi, envoyé. Et j'ai trop de possessions. Ça m'énerve. Truc qui m'agace par-dessus tout. C'est pas grave, on prend le temps un petit peu de respirer. Bien. Excellent. Voilà, on repart. Ah, il y en a qui se rend. Paix blanche, je refuse. Voilà, on a eu leur troupe ici. Niveau technologie, ça gère aussi, hein. Ah oui, on accumule des points un petit peu partout. On peut améliorer tolérance. Pour cultures différentes, religions différentes. C'est légèrement réduit, mais ça pourrait être pas mal. Coutume populaire, c'est. Opinion des cités augmentée. On va prendre ça, on va prendre ça. Je pense que c'est une base. Donjon amélioré, on s'en fout un petit peu, je préfère encore économiser pour avoir des trucs plus intéressants. Construction navale, ah, matériel de siège, cavalerie, ouais, ça je prends. Ça je prends. L'avance technologique, ça, des fois ça change tout hein, durant un combat. Faction dangereuse, un enfant n'a pas de tuteur, encore? Il est mort? Éduquer enfant.
Qu'est-ce qui... Ah bah toi t'as des bonnes stats à peu près. Ouais, ouais enfin, celui qui m'aide par défaut apparemment ce serait le meilleur. Et finalement il a acquis... où sa défaite? Ah bah c'est là, on s'en fiche. C'est bon, l'a intercepté. On le poursuit. Oula, il a refait popper un bon paquet de troupes là. Faire gaffe. Oh! Je suis infirme. Ah non, ah oui, si, je suis infirme. Crotte. Je vais bientôt mourir. Choisissez une ambition. Avoir une fille. M'intéresse pas du tout. Ma femme, elle est trop vieille aussi, donc ça sert à rien. Emprisonnement justifié. Mettre fin au complot. Envoyer. Merci. Emprisonnement justifié. Exiger emprisonné. Oui. Là, emprisonnement justifié. Mettre fin au complot. Envoyer. Ok. Voilà. Parfait. Là, on travaille, on travaille. Ouf, là ça travaille dur mais... Faut que... Niveau argent, ça va, c'est pas trop compliqué. Peut-être... Ah, il y a des postes à pourvoir en attendant. Je vais faire technologie. J'ai eu un autre fils. Mince, avec le partage salique, ça va m'embêter ça. Je ne reconnais pas l'enfant. Mon dieu, je suis un monstre. Ah, c'est bien, on vole des technologies. On vole, on vole. C'est très bien. Ah bah c'est bien, en plus j'ai réussi à régénérer un petit peu mes troupes. On va taper ça. Allez, voilà. Super. Super, super, ça maîtrise. Puis après on va s'arrêter là, après cette guerre, parce que... C'est pas facile. Après, faut que je plot tout ça et pour que vous puissiez l'avoir au moins ce week-end parce que c'est complètement horrible. Paix blanche, je refuse. Non, faut que je possède leur territoire. C'est lui en plus que. Je vais devoir faire ça. Ouais, ça va, c'est rapide. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y protègent, donc... On va voir ce que ça donne. Il y a des défaites et des victoires. On va profiter pour... Ils viennent d'où ces troupes-là? Comment ça? Je suis en guerre contre eux? Ils ont rejoint? Quoi? Pourquoi ils sont là alors? Hey, ils ont fait la guerre à eux pour récupérer ce territoire, ça se fait pas. Bon, j'accepte la paix blanche, comme ça au moins la guerre est terminée, parce que sinon ça va me saouler. C'est pas grave, il n'y aura pas d'emprisonnement, mais au moins on est tranquille.
Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc j'espère que cette série vous plaira, hein, et j'espère que ça a commencé un petit peu. Là, il va falloir un petit peu qu'on régène déjà de la guerre, parce qu'on a perdu quand même pas mal de troupes de vassaux. Ouais, on est à peu près à la moitié de nos capacités là. Donc on va laisser un petit peu régène tout ça la prochaine fois. On va essayer de se refaire un petit peu plus d'argent. Et bah écoutez, on va voir un petit peu où cela va nous mener. J'espère qu'on va réussir à aller le plus loin possible pour cette série. Voilà. Donc bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye Salut à tous et à toutes, c'est Légirac. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Crusader Kings 2. Avec le tout dernier DLC qui vient de sortir, c'est, si je me trompe pas, Rajesh of India, donc qui nous apporte pas mal de nouveautés. Enfin, voilà quoi, c'est assez gros. Alors après, bon, il y a des... Enfin... Ça a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que maintenant on a beaucoup plus de territoires à conquérir pour avoir certains empires, trucs comme ça, donc bon, après reste à voir. Mais c'est plutôt pas mal, ça c'est intéressant. Bah écoute, on va jouer. Alors j'ai joué un petit peu, c'est Rashtrakuta. C'est intéressant, ouais, ça peut aller. Il y a Pala aussi que j'ai essayé de mon côté. Eux, ce sont des bouddhistes. Hein. Rashtrakuta, ce sont des jaïnites. Et nous, bah, on va essayer avec les hindous. Déjà que c'est non bizarre. Et je suis conciliateur naïf. Bah, dis donc. Ce personnage aime bien être aimé et veut être un bon diplomate. Malheureusement, il n'en est rien. Sympa. Et on va faire quoi comme. Ouais, améliorer son savoir, je pense que ça pourrait être pas mal. On va faire ça. On peut faire des assujettissements. Le seul souci, c'est qu'il nous faut énormément de karma. Donc, le karma, c'est de la piété. Pour les jaïnites, ça s'appelle de la pureté. Et chose qu'on n'a pas vraiment beaucoup au début. Donc, il nous en faut 500. On commence, on a 20. Donc, voilà quoi. C'est pas pour tout de suite les assujettissements, ce sera peut-être pour le futur ou à la rigueur si on a vraiment un règne exceptionnel d'une pureté complètement hilarante. Ça nous appartient ou... Non, ça nous appartient pas. Nous on a les îles qui sont là, c'est tout. Voilà. Mais écoutez, c'est parti. On peut créer des... Alors on peut créer des... Il y a des empires aussi qui ont été rajoutés, ce qui est plutôt pas mal. Il y a plein d'empires. Voilà, empire de Jure. Donc on a le Rajasthan, on a l'Empire de Deccan et l'Empire du Bengale. Après il y a la Tartarie ici, Empire Perse, voilà, donc ça c'est à peu près ce qui est à côté de chez nous, le reste on s'en fiche. L'Empire de Russie qui s'étale beaucoup plus par rapport à avant. En fait ça a vraiment laissé place on va dire à l'Empire de Tartarie et bon après le reste on s'en fiche un petit peu, ça ne nous intéresse pas. Ce serait bizarre n'empêche de jouer une map où il n'y a que des empires bien formés comme ça. L'Empire romain d'ailleurs est vraiment très petit, il passe à la machine à laver, avant il était bien plus grand que ça. Mais avec l'histoire de l'Empire d'Italie et tout ça, Ouais, le jeu a vachement modifié depuis le début. Hein. C'est assez impressionnant. Bref, on n'est pas là pour contempler le jeu. D'ailleurs, ah, on a un tout petit peu plus que nécessaire. Ouais, bon, c'est pas grave. Ce qu'il faut c'est avoir les Arabes ici. Et eux par contre on peut leur déclarer la guerre. Ouais, en guerre sainte. En guerre sainte. Ah, on peut avoir le gros territoire au nord, c'est plutôt pas mal. Oh, moi, ouais. C'est intéressant. Mais non, on va s'intéresser à autre chose. Là, pour l'instant, on a besoin d'un peu plus d'argent si on doit avoir des troupes. Et c'est surtout le fait de... On a déjà 50 ans aussi. Et... Ah, on a les lois. Les lois, ce qu'on pourrait passer, c'est... Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, en jouant Pratihara. C'est parti. Oh. Pouf, je suis fatigué ce matin. Enfin, ce matin, il est déjà 11h, hein, donc c'est bon. Hein. Alors, c'est parti. Donc, on va voir un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on en est? Donc, il y a les systèmes de caste. Donc, là, on fait partie de la caste des Kashtariya. Kashtariya, ouais, c'est ça. Qui, donc, c'est la caste des guerriers et des rois.
On est travailleur, zélé, confiant, concupiscent. On a plus de fertilité parce qu'on fait partie de la blanche, de la blanche, oui, de la branche des chactistes. Plutôt, c'est écrit tout petit sur mon écran. C'est pas facile.